3315, ces nouveaux majeurs se sont, selon l'Union locale des jeunes RHDP, fait enrôler. L'entité qui ambitionne d'enrôler 5000 personnes se doit encore de convaincre un peu plus de 1600 jeunes. Ainsi, à quelques mois des élections présidentielles, un appel en ce sens a été lancé au cours d'une rencontre. Nous sommes en une période très cruciale pour nous, membres du parti du RHDP, qui consiste à identifier les primo-votants. Donc, nous avons montré l'intérêt et l'importance que ces femmes-là ont en nos yeux. Cette rencontre a été l'occasion pour le conseiller municipal d'apporter son soutien aux femmes veuves du département d'Abobo Ndotré par le biais de dons en vivres et non-vivres. Plus de 300 familles sont impactées par cette action de solidarité. Les vivres, ça va nous apporter beaucoup. Ça va nous servir à manger avec nos enfants pour quelques jours. Les militants collecteurs ont été récompensés en numéraire pour le travail abattu. Ces actions d'échange et de dons s'inscrivent dans la volonté de renforcer les initiatives de la coordinatrice principale de la commune d'Abobo pour le RHDP, Kandia Camara, présidente du Sénat et également maire de la commune.